ici, c'est plus que loin. C'est ailleurs, comme dirait Jean Giono. Bienvenue sur ce nouveau partage de rando. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau dans les gorges du Verdon, que je ferai principalement en période hivernale. Rando départ de la Paluche au Verdon et du sentier du Bastidon. Une boucle d'environ 15 km avec un retour par les crêtes de Barbin. Suivez-nous. Ouais. Bah, je fais le malin, mais... Je peux prendre une photo? Ah, ça pique le cul. Rigolez pas, hein. C'est pas beau de se moquer. Nous voici maintenant sur l'autre versant du ravin de Main Morte. Qu'est-ce que c'est beau! Ça pique les yeux! T'es pas un bon comédien, Fabien. Plutôt sympathique. Quelque chose me dit vraiment qu'on remonte. Finalement, en voilà un de Bastidon. Petit bout de route avant d'aborder le ravin du Brusque en direction du plateau de Barbin qui nous permettra de rentrer à la Perlue.
Objectif, 600 mètres de dénivelé. Et nous arrivâmes, ou vous arrivâtes avec nous, au plateau de Barbin. Donc, c'est par là. 2 heures. Bon, 6 kilomètres, c'est pas 2 heures. C'est un peu long. Et un peu, beaucoup, trop long. Cette partie du GR4 est vraiment longue. Finalement, cette descente sur la Palue vaut le détour. Amis randonneurs, voici donc l'heure du bilan. Le sentier du Bastidon, un grand classique dans les gorges du Verdon, sans grande difficulté technique. L'itinéraire que j'ai choisi ravira les plus sportifs d'entre vous. Il existe cependant deux autres options. Le sentier du Bastidon seul, avec retour à la Palue sur Verdon en voiture. Le retour à pied par la route, ce qui évite quelques centaines de mètres de dénivelé. Un joli sentier donc, avec des points de vue spectaculaires, propres au Grand Canyon du Verdon. Il n'a cependant pas ma préférence et je classerai volontiers devant le célèbre sentier Martel ou bien encore le sentier des pêcheurs. Malgré tout, j'espère que vous aurez apprécié cette modeste vidéo destinée comme toujours rien qu'au plaisir des yeux. Pour l'heure, il est temps pour moi de prendre congé. Je vous convie bientôt à un autre partage de rando. D'ici là, je vous dis ciao et à bientôt.